ça fait partie d'une série de 7 photos qui étaient dans une mallette noire conservée dans nos archives. Et lors de la recherche pour l'exposition Napoléon Bourassa, qui s'est tenue en 2011-2012, on a regardé attentivement le contenu de cette mallette-là, qui n'avait jamais été inventariée. Il y avait donc ces 7 photos de groupe de Dominicains qui prennent la pose, qui nous a beaucoup, beaucoup intrigués, parce que de toute évidence, ils posaient dans un studio selon des mises en scène très précises. Alors, on s'est rendu compte que ces photos-là, ces mises en scène-là avaient été orchestrées par Napoléon Bourassa lui-même, qui n'était pas un photographe, il avait fait appel à un photographe de Saint-Hyacinthe, Victor Morin. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu en 1885 une grande commande pour la décoration intérieure de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Il va faire un travail préparatoire jusqu'en 1893, quand même sur plusieurs années. Il a réinvesti de façon très précise 365 jours de travail pour réaliser ce décor-là qui n'a jamais abouti parce que l'édifice était mal conçu, mal construit. Alors, le projet n'a jamais abouti, mais on a un travail préparatoire qui est très, très important en termes de dessin, de figures et de dessins architecturaux parce qu'on avait prévu 17 grands tableaux dans la nef et dans le chœur, qui retraçait la vie de Saint-Hyacinthe. Alors, Bourassa s'est beaucoup, beaucoup documenté, soit par des livres, soit par des dessins préparatoires qu'il avait conservés, qu'il avait réalisés en Italie en 1889, donc carrément dans la période de conception du décor de Saint-Hyacinthe. Et avec ces photographies-là, de mise en scène de groupes de Dominicains. Les Dominicains avaient un monastère à Saint-Hyacinthe. Alors, on suppose ou bien les photos ont été prises au studio même de Victor Morin ou au monastère des Dominicains. Ils se sont prêtés de bonne grâce à ces mises en scène bien particulières et que Bourassa a utilisé pour la plupart dans la conception de certaines scènes de ces 17 tableaux. On le voit de façon précise. C'est sûr qu'il y a des variantes entre la photographie et le résultat final en dessin. C'est une première au Canada. Bon, jusque-là, on savait que les peintres utilisaient la photographie notamment pour le portrait, pour le paysage, dès le début de la photographie d'ailleurs. Mais là, c'est une première dans la mesure où Bourassa met en scène des figures, les Dominicains en l'occurrence, en vue de la réalisation d'un certain nombre de tableaux destinés à la nef et au cœur de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est complètement inédit. Bourassa, il faut savoir que c'est un artiste assez cérébral, assez intellectuel, académique. La Liberté disait que c'était le plus grand artiste canadien-français au Canada de son temps. Il n'y a pas de doute que c'est bien le cas. C'est un artiste extrêmement polyvalent, peintre, sculpteur, architecte, écrivain et j'en passe, qui était dans une famille célèbre à l'époque. Hein. Son beau-père était rien de moins que Louis-Joseph Papineau et son fils sera Henri Bourassa, le fondateur du Devoir. Alors, Bourassa est arrivé avec une toute nouvelle esthétique à la fin du 19e siècle, issue de ces grands décors provenant de la Renaissance, ces grands décors avec des riches programmes iconographiques qui demandent beaucoup d'études, beaucoup de dessins préparatoires. Alors, Bourassa a amené cette nouvelle esthétique-là au Québec. C'est un artiste qui est extrêmement novateur pour son temps, qui n'a pas fait grande école malgré tout, même s'il y a eu des élèves très importants. Le plus important en sculpture sera Louis-Philippe Hébert, hein, qui a réalisé les statues de l'Hôtel du Parlement, et d'autres peintres décorateurs. Mais c'est un artiste qui a été un peu, pas isolé, mais enfin un peu marginal dans la production de l'époque.
c'est une première au Canada de qu'un artiste fasse des... C'est des tableaux vivants, hein, ces mises en scène-là, qui est un genre très particulier en photographie. On en connaît aussi d'autres exemples, notamment par Jules-Ernest Livernois, ici à Québec, où il met en scène des Augustines. Mais là, l'intérêt supplémentaire, c'est que Bourassa, qui n'est pas photographe, je le répète, va les utiliser en vue de décors qui, malheureusement, ne sera jamais réalisé.